Ok, alors pour te répondre, Giano, à mon avis, ce qui s'est passé, c'est que en tentant de supprimer ses souvenirs de l'hibiscus, on est tombé sur un mécanisme de défense qui était déjà implanté dans sa cervelle, qui a supprimé tout le reste de sa personnalité, sauf hibiscus. Reviendra. Qui est un peu vilain mais brillant. Est-ce qu'on aura le temps de faire une pause? Oui, on devrait. Ouais, on a vraiment atteint le niveau max. On est dans l'incarnation du capitalisme où on te promet des trucs qui seront jamais accessibles. Vraiment, on vit dans une société. Semaine mondiale de la paix dans le monde. Célébrer les individus et les pays qui se battent pour un monde en paix. Le choix de mots est un peu malheureux. Même plus de con six birth à venir du coup, juste attendre le VIP, ouais. Ouais, ça va. Ça et installer des mannequins. J'en ai pas mis hier. C'est frustrant car je veux quand même savoir la fin. Ben moi aussi, mais le truc c'est que déjà de 1 en moi en tant que joueur, j'ai plus vraiment d'intérêt à jouer. Enfin, je veux dire, il n'y a plus rien qui va vraiment te motiver. Mais le pire c'est pour vous en tant que viewer. Vous avez encore une distance par rapport au jeu. Tu veux acheter une voiture? Tout se passe bien? Ah, je vous reconnais, vous allez bien? Oui, merci, grâce à vous en grande partie. Que peut-on faire pour vous aujourd'hui? Ah, our lovesick and clone-sick puppy is back. Puppy, vraiment? Notre malheureux en amour et en clonage est de retour. Would you look at his hormone levels? Oxytocin, dopamine, he's a whole new man.
Regardez-moi ce niveau d'hormones. Oxytocine, dopamine, c'est un homme changé que nous avons devant nous. J'ai un petit souci avec votre module, là. J'aimerais louer une voiture, mais j'ai des doutes sur les options. Vous partez loin ? Randonnée autour de l'île avec mon mari. Ah, I can just picture you bubbling with joy about patching this couple up. Vous avez aidé un couple grâce à un clone. Cool. Ouais, Acta, je parle pas le Klingon. Alors, juste pour... C'est pas moi qui dis des conneries, hein, c'est du Klingon, ça. Randonnée en voiture. Ouais, c'est quand tu la promènes en laisse. Le choix de mots est un peu bizarre aussi, ouais. Quoique, je suppose que tu pourrais traduire road trip par randonnée. I love that expression. English is definitely my favorite language. J'adore ce mot, le français est définitivement ma langue favorite. Trip, c'est plus voyage. Oui, non mais je suis d'accord avec toi, mais... Je suppose que tu pourrais vaguement le traduire, quoi. C'est des français, j'espère qu'ils ont vérifié la VF. Je suis pas très doué en orthographe et tout ça, donc je vais trop rien dire. Mais on a eu quelques fautes de syntaxe. Rien qui soit trop gênant. Surtout que ça reste quand même... Il doit y avoir quand même un beau paquet de lignes de texte écrit pour le jeu. Virer en voiture, ce serait plus juste, ouais. Effectivement. Alors il vous faut l'option roue motrice. Bah, si tu veux faire le tour de l'île, il y a une route qui fait le tour de l'île. Si tu veux aller voir les volcans, c'est un sous-marin qui te vaut un solide. J'ai cru comprendre que le véhicule sera fait en carton. Même les roues, c'est vrai? Sérieux? Nos véhicules à louer sont produits à base d'un plastique entièrement naturel et hautement biodégradable. C'est une algue brune, Sargassus aelifum, qui sert de matière première. Réveillez-moi quand votre clair aura terminé. Le véhicule est imprimé puis recouvert d'une couche de protection contre les conditions climatiques. Tout est entièrement électrique, bien sûr. C'est extraordinaire. Détail amusant, la matière utilisée est la même que celle de nos emballages et elle est comestible. Ça a quel goût? Aucune idée. Il y a une légende urbaine comme quoi une femme aurait été obligée de manger son véhicule pour en sortir après un crash. Bref. Au bout de 48 heures, vous pouvez abandonner le véhicule où vous voulez sur de l'herbe ou de la terre. Et il commence à se dissoudre. Il y a même une option avec des graines. Exactement, ça fait un petit bosquet de fleurs dans votre jardin ou sur votre terrain vague. Sur un terrain vague. Ça a un certain charme, c'est génial. Tous les plastiques sont naturels, le pétrole c'est naturel. Alors oui... J'ai rencontré mon mari sur une application. On s'est marié avec la moitié de ma famille en visio depuis les États-Unis. Et quand les choses ont commencé à mal tourner, j'ai... Donc ce n'est pas très étonnant. Et pourtant, je suis épaté par vos machines. Elles m'ont aidé à changer, à trouver les mots, à comprendre mes erreurs. It's almost like he's speaking directly to me. Comme le Seigneur, oui. Un œil extérieur pourrait croire qu'il s'adresse à moi directement. C'est touchant, n'est-ce pas? You should have some I Life tissues in your desk somewhere. Il devrait y avoir des mouchoirs I Life quelque part dans votre bureau. Ouais, seulement je suis dehors en train de me geler les miches. Allez, je prends l'option graine. Ça fera un peu de vert dans le quartier. Merci encore pour votre aide. Je trouve ça trop génial. Ça évitera d'avoir des mecs qui stockent du gasoil pendant 3 mois. I know you are thinking to yourself that we have done good work here, that we helped him. Ou qui le stocke en considérant que ce soit encore valide dans quelques années.
Je sais ce que vous dites, on a fait du bien, on l'a aidé. Imagine how much work went into this. We need to be making more significant change here. Imaginez le boulot que ça nous a demandé. Il nous faut des solutions à plus grande échelle. He was adorable, though. Même si c'est vrai qu'il était adorable. C'est pas le pire qu'on ait eu, ça c'est clair. Donc lui c'était le premier de la journée. Et voilà Anita. Bonjour, j'ai relu la documentation de Worm Cradle et je crois que je suis censé vous annoncer que je veux suspendre le bébé. Bonjour, oui, c'est comme ça que ça marche, vous avez 18 jours pour changer d'avis. J'ai vu, je sais. Est-ce que je dois vous donner autre chose, quelque chose à payer? Non, non, c'est tout bon pour nous. Elle est la seule qui reste. Oh. Ben, ça tient bien, votre projet. Sa coopérative prend l'eau, il ne reste plus qu'elle. She must be having doubts. It's not easy to see her like this. Such low hormone levels and brain activity. Elle doit hésiter, c'est dur de la voir aussi ainsi. Aussi, pardon. Aussi basse côté hormones et activité cérébrale. We should go help her, or shouldn't we? You're the human being here. Deal with this. On devrait l'aider, ou alors il ne faut pas l'aider. C'est vous l'être humain manager. Déjà, on devrait arrêter le gamin. Hein? Que ce soit clair, je vais lui proposer de l'aider. Mais j'espère que ce sera pas aux dépens du gosse. On ne se connaît pas, ce serait étrange, non? Ça ira, je vous le promets. Si vous le dites. On a fait un bébé à 9. On se disait que ce serait une superbe opportunité de confronter nos doutes, nos peurs, nos besoins. Bah oui, hein, le classique, tu fais un gosse histoire de souder un couple. Ou un groupe. En tant que femme au pluriel, en tant que parent. Et maintenant, je... Ça va. Un peu le vertige. Un petit vertige, pardon. Il est déjà dans une boîte, c'est pas la peine de l'arrêter. Pourquoi est-ce qu'elle cache ce qu'elle cache? Je trouve ça dommage que vous ne proposiez pas à vos clients un module comme celui-là. Plongé dans un bain de liquide amniotique, on flotterait tandis qu'un tube viendrait déverser en nous des litres de vitamines. On a exactement ça, hein, tu sais. Un bain primordial de bonheur. We tried, but everyone got high before getting in the bath. On a essayé, mais tout le monde se droguait avant de rentrer dans le bain. Two times out of three, they overdosed on sleeping pills. Ça finissait en overdose de somnifères deux fois sur trois. Allez, je file, j'ai 600 trucs à finir avant de décider pour le bout de chou. Non mais on a ce qu'il te faut, hein. On a un grand module de réalité virtuelle qui nous sert à rien, actuellement. Non? Ok. I dislike it when smart people are sad. It's the saddest of all sadnesses. Je n'aime pas quand les gens intelligents sont tristes, c'est la tristesse la plus triste. Ok. Nous verrons bien si elle reviendra. Et donc, Anita reviendra. Donneur librairie. Cash smart. Oh la vache, on a vendu un rat. Surface actuelle 20 mètres carrés. Bien sûr. Waouh. Pour rappel, on paye 2000 balles.
grave. Il va être minuit, on va continuer encore environ 40 minutes. Hop, fin de l'histoire de VIP. Ni comme les chevaliers. Allô, allô. Allô, bienvenue chez Flat Eyes. Notre cliente est de retour. Je me demande comment elle va. Avez-vous déjà voulu devenir un dieu? Les choses ne vont pas mieux pour elle. Excusez-moi. Avez-vous déjà pensé à vivre dans un monde où tout est simple et compréhensible? Ce qui n'est pas exactement la même chose. Une société où vos désirs sont assimilés par une vaste intelligence supérieure et bénéfique. So typical of Hibiscus. Not one original idea. J'adore parce que ça commence en mode ah les salauds d'Hibiscus qui veulent contrôler. Après que moi j'ai eu la même idée. J'ai une proposition à vous faire. I hope this rings a bell, manager. J'espère que ça vous rappelle quelque chose, manager. Rejoignez-moi. Acceptez ce petit cadeau, un coup du futur, signé Hibiscus, et ensemble, gouvernons la galaxie. Testez ce contrôleur d'émotions, installez-le, faites-vous votre propre avis. Si vous acceptez de m'écouter, je reviendrai et nous aurons une vraie discussion au sujet du futur. Je suis convaincu que le module... qui nous coûte 0 points de technologie, on était censé l'avoir après cette conversation. D'ici là, 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 au revoir. Il donne pas envie. J'ai rien compris. Rien compris du tout. Et franchement, mon salaire n'est pas assez élevé pour que ça m'intéresse. Ça, c'est une très bonne réaction. Votre client vient nous offrir un cheval de Troie pour Hibiscus. Et mes algorithmes de prédiction semblent apprécier ce cadeau. Ce qui veut dire que ce contrôleur d'émotion fait partie d'une solution de futur viable. Vous vous en rendez compte? Installez-le si vous avez envie d'explorer cette option. Explorez cette option ou ne l'installez pas. Votre décision. Mais on sait déjà quelle solution c'est puisqu'on a débloqué les techs. Il nous reste beaucoup de VIP. Non, c'est pas là. Il nous reste 5 VIP qu'on connaît pas du tout. Hibiscus Pheromone. Dire ouais, on peut l'installer. Je sais plus où il est. Notre ami de retour, je ne peux pas écouter, j'ai trop peur qu'elle fasse le mauvais choix. Pardon, comment allez-vous depuis la dernière fois?
Je vais bien, merci. Pourquoi c'est elle qui pose la question? Je suis content de l'entendre. Il y a quelque temps, je suis venu ici et j'ai demandé à ce que l'on suspende la gestation de notre bébé, hier même. Mon bébé, en réalité, mes coparents ont décliné la suite de l'expérience. Ok, laissez parler. Je suis venu récupérer mon bébé. J'ai l'impression aussi que le jeu est fait tout mettre, enfin tous les modules, on l'avait vu avec l'incinérateur. Ouais, j'ai l'impression que c'est un jeu à choix où t'as pas beaucoup de choix. Ce qui peut être ok, c'est juste un peu bordélique. Ces derniers temps, votre employeur eLife a essayé de racheter ma coopérative. Ce n'est pas grand-chose, un bout de terrain agricole en bordure de mer, mais c'est chez moi. Chez nous, bientôt. Je vais la sortir de la machine, j'ai hâte. Disons que les choix sont avec les VIP, pas la gestion. Ouais, c'est ça, mais au final, est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un aspect gestion? Ah oui, c'est ça qu'il disait, un sac de course un peu chelou? Ouais, tu m'étonnes. On dirait un sac à couettes. Il est plus lourd que j'aurais cru, hein. Je vous laisse beaucoup de joie. Je vous souhaite, pardon, beaucoup de joie. Merci. Je crois que c'est bien parti pour. Tiens, typiquement. I tried to help her. She refused and it only made her more determined to build something on her own. Si tu fais. Si tu veux te focus uniquement sur l'aspect dialogue, au lieu d'être un manager qui gère un clerc, t'es quelqu'un au service client. Par exemple. Et comme ça, tu as juste cette interface, t'enlèves l'aspect gestion qui est là mais qui est un peu bancal, voire carrément bancal. Et puis, alors tu as un texte qui est entièrement narratif par contre, hein, y a rien à côté, mais tu peux aller à fond là-dedans. J'ai essayé de l'aider, elle a refusé et ça n'a fait que renforcer son désir de construire quelque chose. Quelques clients normaux à gérer à côté de ça. Ouais, voilà, comme. And she told them to shove it. Comme papier, Your client ordered all sorts of baby supplies. Quelques minutes après l'appel de notre Paul Rachat, quelqu'un a envoyé. Qu'elle a envoyé dans les orties, pardon. Votre cliente a commandé tous les produits pour le bébé. Of course. I took it upon myself to cut the price in half. Help her out for real. Je me suis bien sûr permise de diviser par deux le prix des articles en question, histoire de lui filer un vrai coup de main. Had I done nothing, maybe she would have made a different choice. Si je n'avais rien fait, elle aurait peut-être pris une autre voie. Je ne sais pas comment vous, les humains, vous pouvez réagir face à un non-choix. This is a significant variable in my quest to save your species. Et c'est une véritable non-négligence dans mon processus de sauvegarde de votre espèce. Pardon. C'est une véritable non négoci néglige. C'est une. Ah, pardon, c'est une variable non négligeable, pardon, dans mon processus de sauvegarde de votre espèce. On y arrive. J'aime bien l'IA quand même, on dirait qu'elle a un vrai intérêt pour l'humain. L'IA est cool, ouais. Nouvelle fin disponible. Grâce à Anita, l'IA a détecté un futur viable pour l'humanité. Au lieu de sauver le présent, le plan serait de se concentrer pour préparer les futures générations à survivre à ce que l'on laissera. Dites à l'IA que vous choisissez la solution Eden. Ok, donc on en a deux. Mais ça n'a pas l'air foufou, le Eden. Ok, j'ai peut-être mal compris la chose, mais Eden, c'est démerdez-vous. C'est ce qu'on fait en fait de nos jours, non?
On aide un peu, on dirait, mais ça manque de contenu pour choisir. Ouais. Clairement. Plus que deux fins, même s'il y a une fin qui sera hibiscus. Donc en réalité, plus qu'une fin. Si jamais... on va faire un truc radical, c'est pas grave. Si jamais demain soir on l'a fini assez vite ce jeu, parce que je pense qu'on le finira demain soir. Si c'est le cas, on en profitera pour finir Call of. On s'en finira deux jeux dans la même soirée. J'espère que la fin qui nous manque est bien. Moi aussi. Rentabilité 100%. Bah après Call of, c'était vraiment juste un trip dans mes souvenirs. Donc, celui-là, si on ne termine pas, c'est ok. T'étais là tout à l'heure quand j'ai parlé de... quand j'en ai parlé un petit peu au niveau des bombardiers qui avaient survolé Stalingrad dans le jeu. Enfin, des avions, pardon, qui avaient survolé Stalingrad. Ouais, ok. T'es pas à côté du clavier, mais oui. Nickel. Pour le moment, j'aime pas la fin des Ludites. Eden, Hibiscus, commune. Ça, c'est du choix. Ah, mais c'est vrai qu'on a cette fin-là aussi, que du coup, on s'est peut-être bloqué une fin. Puisqu'on a dit, allez vous faire voir, on veut pas de piratage. On verra bien. Je pense que tu l'as refusé et que ça fait 5 choix. J'espère qu'il n'est pas affiché. J'espère qu'il n'est pas... Que c'est pas une des fins ici. Et qu'elle soit juste verrouillée, verrouillée. Mrs. S, c'est une nouvelle VIP. Mrs. Das. I have something to tell you. Oh ouais, âge 9. Genre femme, taureau, une surprise. I'm sorry to go outside the usual. Ah non, c'est elle. C'est Lia. Désolé de passer par cet autre canal pour vous parler. Mais j'ai le sentiment que tout serait plus simple si je pouvais m'entretenir directement avec vous. Question essentielle, souhaitez-vous que je prenne une forme humaine? Je me doute que certaines personnes préféraient que j'endosse un avatar. L'empathie n'en serait que plus forte. Mais je peux aussi comprendre que vous n'ayez aucune envie que je devienne quelqu'un d'autre après avoir été pendant si longtemps quelqu'un. Je m'en fiche. Je comprends. Alors, je préfère prendre forme humaine. Ça serait moins gênant pour vous. Déguise-toi en chèvre si ça te tente. Aussi, oui.
j'ai longtemps hésité sur mon apparence. J'ai opté pour un modèle très générique. Quelque chose de divin, de grandiose, de puissant. Générique, quoi. Quelle créature pouvait inspirer confiance, sérieux et chaleur humaine? Un petit chien? Raté. Bonjour, bonsoir. J'espère que je vous plais. Quoique votre avis sur mon physique m'intéresse assez peu. Un papy à ceinture et pipe. Je vois. On va poser des questions, tu vas voir pourquoi. Un esprit fatigué verrait dans cette forme une représentation forcément problématique, comme vous dites. Pourquoi problématique? J'ai choisi une voix féminine seulement parce que je voulais pas ressembler aux membres du conseil d'administration d'iLife. De même, j'ai choisi cette forme parce qu'elle vous évoquera des images positives. Je triche un peu, je l'avoue. Mais si j'étais apparu sous la forme d'un buisson ardent, vous m'auriez prise pour un dévot. Il y a les extincteurs qui sont derrière le bureau, et puis la forme d'une extraterrestre ou d'une créature lumineuse au contour flou, vous ne m'auriez même pas écouté. Alors, mon apparence n'a pas grand chose à voir avec ce que j'ai à vous dire. Je vous ai dit dès notre première rencontre, mon plan était de vous confier les clés du futur de votre civilisation. Si j'avais dû choisir, vous auriez foutu le feu. Si j'avais dû vous laisser dans votre mouise, eh bien, vous y seriez encore. Juste, encore plus que d'habitude. Elle aurait pu se transformer en castor. Mais oui, ça aurait été trop bien. Il a dit une forme humaine, mais c'est pas grave. Humanoïde, ça passe. D'ailleurs, tu fais un croisement castor-humain, et puis voilà. Le futur n'est pas le résultat de la somme de vos actions. C'est celui d'une opération complexe qui nécessite plus que des mathématiques et des algorithmes. Il faut de la physique, une dose de météorologie et de sciences naturelles. Quelques pincées de sociologie pour comprendre vos comportements. Et puis il faut... du courage. C'est quoi déjà dans les petites filles là, fabriquées par le scientifique? Du sucre? Sachez que dans Citizen Sleeper, on peut nourrir un chat, mais c'est pas une pub, Acta. Ce que je vais définir comme pub sur le stream, c'est que si tu fais la pub pour ton propre stream. Buffy et Fluffy, je sais plus du tout. Les quoi dans quoi? Comment ça s'appelait déjà? Super Puff ou un truc comme ça? Non. C'était un dessin animé qui passait quand j'étais gamin, avec un scientifique qui créait quatre petites filles super-héros. Et il mettait du courage, de la détermination, du sucre aussi, et puis une dose de je sais plus quoi, et ça faisait... voilà. C'est genre faire la pub pour un jeu où l'argument promotionnel majeur serait de pouvoir nourrir les chats qui traînent. Ouais, mais c'est pas grave, Acta. Je veux dire, je joue à des jeux, faire la pub de jeux, c'est littéralement ce que je fais toute la journée. La verte, la rouge, la jaune, bleue... Ouais, c'est ça, je crois qu'elle est bleue, mais ouais. Si je retrouve, je t'enverrai un fax, Jen, avec ça. C'était assez rigolo. Voilà, là. Là, j'ai trouvé. Les super nanas. C'est vrai que ça s'appelait super nana en français. Et puis il faut ne pas répondre surtout. Préférez la jouer en mode passager, très bien, je comprends. Il faut de la chance. Une chance incroyable pour qu'un futur soit compris, entendu, porté, répété, protégé. Vous l'avez bien vu avec vos clients et clientes premium.
Le monde est devenu si complexe que vous ne comprenez pas réellement où vous allez. Mauvaise nouvelle, je n'y comprends pas grand-chose de plus. Mais voilà, il est temps de choisir un futur. Vous avez décidé de privilégier ou de subir plusieurs options. Il est maintenant l'heure pour vous de vous ranger d'un côté ou de l'autre. Les conséquences de votre choix... T'es sérieuse, on va choisir la fin là maintenant? Vous ne serez pas là pour les voir, moi non plus d'ailleurs. Toute la beauté du futur, c'est toute sa subtilité. Alors attention, ce choix sera crucial. Il est trop tôt pour choisir. Préfère attendre d'autres futurs ou bien vous n'avez pas encore fait votre choix. Dans tous les cas, je préfère un choix tardif à une décision mal avisée. J'ai construit une application rien que pour vous et les futurs potentiels qui se dessinent devant vous. N'hésitez pas à vous y rendre. Ouf. À très vite, manager. Je craignais franchement que ça nous impose une fin. Du coup, je suppose qu'on a une nouvelle appli quelque part? Pas encore. J'avais pas vu. Hop, ni. Nickel. Juste à temps. Alors, ni. Bonjour et bienvenue chez iLife. Oui, bonjour. J'aimerais vous communiquer une information cruciale. Vous allez bien? J'aurais pu être Nick Drake. Ça y est, elle retrouve ses souvenirs. Lord Verity Manager. Vous allez bien? Mais j'ai préféré venir vous voir aujourd'hui pour vous apprendre cette incroyable nouvelle. Suffisamment de clients et clientes ont été touchés par le contrôleur d'émotions que je vous ai fourni. Cela veut dire que le processus Hibiscus peut commencer. Pour le mettre en place, je vais avoir besoin que vous fassiez disparaître Ni. Ni. Moi. Vous devez détruire ce corps depuis lequel je vous parle. Ok, nous avons justement un module pour ça. Merci de votre sollicitude, tout cela vous dépasse et c'est bien normal. Mais pourquoi? Mais non. Devant vous se joue une partie d'échecs aux conséquences dépassant nos ridicules petits cerveaux. Sympa. Et j'ai utilisé plusieurs avatars, des personnes employées chez Hibiscus, pour répandre la parole et pour communiquer notre plan. Désormais, je n'ai plus d'utilité pour ce corps et cet esprit que j'ai détruit. Ni les autres étaient un moyen d'atteindre notre but. Une terre plus propre, plus pure, portée par une intelligence puissante qui, elle, daigne s'investir dans la société. On a vu avec Lipo. Ouais. Hibiscus, copycats, all of them. Je vous l'ai dit, Hibiscus, de gros copieurs, aucune originalité. Car le plus grand ennemi du futur, c'est aujourd'hui. Les chaînes du présent, les freins du passé. Tout cela n'a aucune espèce d'importance. Mettez Ni dans votre module d'euthanasie, une fois ce problème réglé, je pourrai entamer le processus Hibiscus. Racheter iLife, démanteler ses plans, et construire un avenir profitable pour tout le monde. Enquêter sur l'avenir. Vous comptez faire quoi exactement avec nous, les humains? Hibiscus sera comme une gardienne. Hibiscus vous guidera la main. Hibiscus vous dira quoi manger et quoi boire pour vivre heureux et plus longtemps. C'est pas exactement vendeur comme discours. Hibiscus conduira l'humanité vers un futur radieux. On n'aura pas trop le choix, hein. Choisir est un privilège qui a été trop longtemps donné sans contrepartie. Angoissant. C'est le moment de vérité, manager. Est-ce que vous pensez que Hibiscus doit gouverner le monde? Est-ce que vous croyez qu'il existe d'autres moyens? I told you I need you to make this choice and agree to it. Kill this young woman whose brain has been devoured by Hibiscus's inhibitors and choose this ending. Tuez cette jeune femme dont le cerveau est dévoré par les ambitions d'Hibiscus et déclenchez cette fin. Or
or say no and take another direction. Ou bien refuser et prenons une autre direction. The choice is yours. C'est votre choix. Acceptez la demande mais soyez votre cliente. Nah, c'est dommage, j'ai pas eu de sauvegarde. Refusez la demande. On me dit que c'est non. C'est non, vous refusez le futur. A priori, c'est ça, oui, on refuse le futur. C'est entendu, le processus ne pourra pas avoir lieu sans votre totale et complète acceptation de nos règles. Alors je pars, mais je serai de retour pour vous jouer un mauvais tour. Jusqu'à ce que vous acceptiez. Peut-être qu'un jour vous verrez la lumière de la lune, Rose. Ouais? Peut-être qu'un jour vous verrez de la lumière de la lune, Rose. We'll see if you change your mind in the future, manager. Bien sûr. Voyons si vous changez d'avis à l'avenir, manager. Nickel. Avec des ailes d'éléphant. Ouais, c'est ça, ouais. On peut la mettre à la cave. Malheureusement, non. Il n'y avait pas d'option. Se débarrasser de l'IA. Jour de paye, yeah! Fin de l'histoire du VIP. Ni dans votre station, elle voulait savoir si vous étiez prêt à accepter la vision du futur d'Hibiscus. N'a plus besoin de votre aide. Et sinon, elle est où l'application pour convoquer l'IA? Ou ça aussi, c'est manquant? Je dirais que vu que tu level up pas, ça bug. Oh, punaise. Ah non, c'est là. C'est peut-être là. Regardez à nouveau. Non, c'est pas là. Yeah! Je pensais que ça avait débloqué une nouvelle possibilité, mais non, que dalle. Je ne sais pas. Et c'est... C'est problématique. Manager depuis 67 jours. On va relancer, on verra bien. Après c'est pas grave, elle va revenir l'IA, j'ai l'impression. Ouais, mais à ce moment-là qu'elle me dise pas qu'elle met une nouvelle appli. Par contre, Hibiscus n'est pas apparu dans les fins. Ouais, j'ai vu. Mais je commence franchement à m'inquiéter pour l'état du jeu vers la fin comme ça. Thank you.
Ni. Pourquoi t'es de retour? Je suis de retour. Oui, je vois ça. Je vous demande à nouveau de détruire ce vaisseau, ce corps. Et en le détruisant, vous enclencherez une succession d'événements qui nous dépassent toutes et tous. Manager, we are all waiting for your decision. Nous attendons votre décision. Mais j'ai déjà dit que non. Je serai de retour jusqu'à ce que vous acceptiez. Mais si tu passes tous les jours, ça va être un peu embêtant. On peut mettre un fusil à pompe sous le comptoir? J'ai l'impression que mes robots, ils ont du mal à suivre, hein, quand même. Que les témoins de Jéhovah et pourtant ils ont du niveau. J'ai jamais été trop emmerdé par les témoins de Jéhovah. Mais en même temps, quand j'étais gamin, mon voisin d'en face leur a ouvert avec des répliques d'airsoft sur la table derrière. Parce qu'ils étaient en train de nettoyer et apparemment ça les a un peu inquiétés. Je sais pas pourquoi. Histoire terminée. Si seulement. Efficace. Ouais. Semaine du lait. Seule fois que je l'ai croisé, c'est fin août. J'ai nettoyé mon logement et ils ont la gentillesse de ne pas nous interrompre quand on vidait les poubelles. J'aurais pas été aimable. Après, si tu les croises dans le métro à Lille, tu peux les croiser. Eux et les Mormons, bien sûr. J'ai un ancien collègue qui m'a offert une Bible au boulot. Un ancien collègue mormon. Mais bon. Apparemment, t'as un peu de mal avec certaines notions, mais c'est pas grave. Désolé, c'était très mal écrit. Il est tard, t'en fais pas. Pas ta forme définie. En histoire de l'art, on nous a dit de faire très attention à la trad de ces bibles, c'est pas des trad fidèles. Ah oui, non, mais de toute façon, tu commences à me connaître, mais en tout cas religieux, je me méfie de base. Mais c'est pas méchant de sa part, tu vois. Il y avait pas de mauvaises intentions. Mais c'est pas le lieu. C'était un bon collègue, mais ça aura jamais dépassé, enfin, notre relation aurait jamais dépassé le stade de collègue. Par contre, si les deux viennent tous les jours, ça va manger tous les quotas de VIP. Yep! Ça risque. Je suis de retour pour vous faire choisir le futur que vous souhaitez. Pas de pression. Non, non, pas de pression, t'es passé il y a 2 jours, tu m'as offert aucune autre possibilité. Mais pas de pression. Que choisissez-vous? Trop tôt.
J'ai construit une application avec pour vous les futurs potentiels. Hier? C'était hier? Ni. Oh non, mais hey, sérieusement. Les retours, je m'en fous. Manager. Oui, je sais que vous attendez votre décision, mais c'est mort. Refusez. Ok, réalistiquement. Donc, on a deux fins. Voilà, calme de suite. On a deux fins qui sont accessibles ici, la solution commune, la solution Eden. On a Hibiscus. Et puis surtout, il nous reste des VIP qu'on connaît pas. Mais il n'y a rien qui m'intéresse là-dedans, moi. Je regarde si je vois des choses sur les endings. Merci beaucoup. On va continuer, il nous reste 10 minutes, on va dire. 10-15 minutes. Après ça, par contre, je regarderai un peu sur Internet. Si jamais c'est un bug ou si jamais quelque chose, on attendra un patch. Parce qu'on va pas faire ça pendant 4 heures demain soir. Sinon, si on compte Ludite et Hibiscus, ça fait 4. J'espère pas. Moi non plus. Il est Peggy 18. Ouais, probablement pour les questions de sexualité et tout ça. Enfin, je savais pas qu'il était 18, mais ça me surprend pas. Faudrait pas corrompre la jeunesse. Nouveau VIP. Non mais... ok. si tu le dis. Ok, alors, qu'on fasse le point. On est actuellement le 23 janvier. On a deux fins. On est niveau 50. Il reste des unlocks. Apparemment. On a la solution commune. On a la solution Eden. On a deux solutions inconnues. Deux solutions verrouillées, je devrais dire. Inconnu. Et on a Ni qui passe tous les jours. C'est ça, hein? Globalement, j'ai fait le tour de la question. Plus Mrs. S, là.
qui passe tous les deux jours. J'ai un but sur la fin encore. Ah putain, c'est pas la nuit encore. Je viens juste de dire que je suis tombé sur un live de Bezadash. Bezadash, c'est... Ah, retour. Je suis de retour et on s'en fiche toujours. On vient seulement de débloquer la compétence, enfin le... On pourrait choisir la solution commune. Échec, waouh. On a accès à de nouveaux documents. Apparemment. Bonjour ou bonsoir tout le monde. Suite aux récents événements à Toronto, une mise à jour sera prochainement installée sur les modules Genetic Helper disponibles dans vos stations. Les nouveaux modèles seront livrés avec le dernier firmware. Pour rappel, et ceci doit rester confidentiel, un gardien de zoo a réussi à s'injecter grâce à un Genetic Helper les gènes d'un chimpanzé. Notre système de reconnaissance et de sécurité n'a pas fonctionné correctement, puisque les gènes d'humains et de chimpanzés sont proches, sont proches à 98,8% et que le seuil de sécurité est de 98,7%. Le gardien est décédé après être tombé d'un arbre. Au terme d'une longue course-poursuite à travers la forêt canadienne. Cet événement tragique nous bouleverse tous et toutes. Merci de mettre à jour vos Genetic Helper au plus vite. C'est rigolo, mais je m'en fiche. Là, tout de suite, maintenant, j'ai d'autres problèmes avec le jeu. Je préfère laquelle entre Commune et Eden? Eden, je suppose. C'est énorme, 1%. C'est 0,1%, je crois. Attends. C'était où? Voilà. Ouais, ça, c'est 0,1. Normalement, aujourd'hui, on devrait avoir l'intelligence artificielle qui vient dans la station. Et ce sera le dernier jour pour ce soir. Je trouve rien pour le moment. Je vais regarder un truc. Profil Steam. Si je vais dans mon profil,
Dans la mesure où Thérapie de couple, c'est un succès qui a été développé par 0,5% des joueurs. Et le congrès d'hippopotamologie 0,9% des joueurs, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de monde qui ait fini le jeu. Voyons voir. Vous avez rencontré Mrs. S, 1,6% des joueurs ont débloqué le succès. Ah donc il y a quand même pas mal de joueurs finalement qui sont arrivés à la fin. Succès généraux. Est-ce que... Vous avez choisi une voie pour l'humanité et rendu gloire aux ludites. 1,1%. Vous avez débloqué toutes les fins possibles, 1,5. Vous avez choisi une voie pour l'humanité, a été réaliste, 1,5. 2084, vous avez tout misé sur la communauté. Et vous avez été pragmatique. Alors attends, de toute façon simple, si je débloque tous les succès, on a un succès fin, deux succès, trois succès fin, 4. Ouais, non, c'est ça, en fait, on a débloqué toutes les fins actuellement. Toutes les fins auxquelles on a accès, je pense. Ouais, c'est ça. Je vois que t'as les mêmes. Ouais, vous avez effectivement grand travaux, c'est un peu buggé. Quelle surprise. Votre station est équipée de tous les modules, ça c'est bon. Ok, donc on va finir là. Donc on a le choix entre commune, Eden, et puis la solution où la solution que je n'apprécie absolument pas, qui nous dit que le choix est un luxe ou je sais plus quoi, comment c'est formulé déjà? Le choix digne de l'Empire et haute pensée de cet Akabi. Je sais plus ce que c'était, lui dites. Je sais plus ce qu'il a raconté. C'était pas genre on crame tout et on se débrouille sans une IA? Ouais, c'est la cœur, mais. Je sais plus s'il propose quelque chose à la place. Reboot le truc. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, il voulait reboot tout le machin. Bon, mais de toute façon, lui, c'est foutu. Lui, c'est foutu. Je m'attendais vraiment à deux. Déjà, je m'attendais à plus de fins. Et surtout, je m'attendais à des fins un peu moins. Je m'attendais à mieux. Là, concrètement. On a donc la commune, on a Eden, on a la dictature, hein, globalement, pour simplifier à mort, on a ça. Pour moi, le seul choix qui est à peu près correct, ce serait, parmi les trois choix pourris qu'on a, ce serait Eden. J'ai pas particulièrement envie de faire le choix Eden. Mais le moindre mal, hein, tout ça, tout ça.
Mes choix, c'est conscience collective, dictature, pas de tech et éducation à aider les générations futures à se débrouiller. Ouais. Je sais pas, c'est pas. J'espère que je la sous-interprète et que t'as raison. Et qu'effectivement, Eden, c'est éducation et aider les générations futures à se débrouiller. Pensez que votre avenir est irréparable, alors vous voulez préparer la prochaine génération? C'est entendu. À partir de maintenant, je vais concentrer mes recherches et mes interventions sur ce futur. Développer, programmer, planifier une prochaine génération d'humains capables de ne pas détruire leur planète. Une option foncièrement pragmatique et misanthrope. Allez, manager, les dés sont jetés. Le futur est le fruit d'une succession de choix, de décisions, de conséquences. Entre nous, je trouve ça plutôt rassurant. Il n'y a pas d'erreur, seulement des étapes. Ça a l'air, effectivement, t'as l'air d'avoir mieux compris cette fin que moi. Il n'y a pas d'échec ou de succès décisif, mais des incrémentations, des validations, des cul-de-sac. J'ai dit ce que j'avais à dire. Arrêtez-vous ici ou bien continuez à chercher et à activer des futurs potentiels. Quand vous aurez quitté votre application A-Life et éteint votre écran, il n'y aura rien d'autre que votre visage un bref instant. Profitez-en pour sourire, pour vous sourire. Bon, j'y vais, je. C'est peut-être une bonne chose que vous n'ayez pas voulu que j'apparaisse devant vous. Sauf que j'ai voulu que t'apparaisses devant moi. Enfin, ok, j'ai dit débrouille-toi, mais. Je veux dire, t'as choisi une apparence, garde-la. Mais il est vu beaucoup plus émotif que j'aurais aimé l'être. Une dernière chose. The French say adieu. So perfectly relevant for the last words of a godlike AI. So. Les Français disent adieu et je trouve ça tellement peu catholique que ça doit. Que ça soit les derniers mots d'une intelligence artificielle que. Adieu. Adieu. Ok. Et voilà. Here, there, I see a way out. I just need a minute to recalculate. A few. Yes. I can't believe my eyes. Ce qui est probablement la fin la plus. It can. It is audacious, but it is a valid way on out. En parlera après. When I mean, we began looking for a solution to your problem. I quickly set aside one specific concept. I'm going to say it straight out. How do we prepare for the worst case scenario? Let us prepare your next of kin for a dark future. Might makes right. Survival of the fittest, call it what you will. Mammals have been on Earth since the Triassic period. Let's give them a little boost. Help prepare future generations. Let's give them superior cognitive abilities. Let's protect them from disease. Let's establish a 200-year plan. Between now and then, there won't be much left of you. Or of me. But we can get your children ready. However, if I focus on that future, everything else will quickly fall apart. There will be a cascade of famines, epidemics, environmental catastrophes that will lead to the destruction of this culture. After leaving the planet some time to regenerate, I will open the doors to this ark. The children will repopulate the world. Children who are trained, prepared, and have the strength to fight natural disaster and disease. They will not have our bad qualities, at least, not right away. But at that point, it will no longer be our problem. Ouais, c'est pour ça que j'étais pas fan. My calculations show this plan has a 60% chance of success. Choose this future and hope that your fellow humans are not too upset with you.
good luck. And thanks for being so human. Mais tu vois, ce qui me gêne avec ça, c'est aussi le... C'est pas exactement ce qu'elle dit, je suis d'accord. Mais c'est un peu l'aspect actuel de « on verra plus tard ». Par où commencer un épilogue sur le futur, du temps à passer depuis l'âge d'or de High Life. L'entreprise a fusionné avec Hibiscus. Des centaines de stations ont fermé dans le monde entier et l'Islande était la première à partir. La société est passée à autre chose, les miroirs Flat Eye sont maintenant considérés comme vintage. Jeong a même offert à ses modules vieillissants une exposition tout entière sur comment ces miroirs ont pu représenter l'espoir technologique que nos âmes humaines chérissent tant. À séparer du passé. A-Life, Hibiscus, les New Decemberists, la solution était ailleurs. Enterré quelque part sous les Andes, un laboratoire prépare notre futur. Génome modifié, nouvelles capacités physiques, disparition de certains de nos traits les plus négatifs. Ouais. Ah ok, je pensais qu'il y aurait une suite. Voilà. Point bonus eugénisme. Alors, je vais pas vous cacher que c'est en grande partie dû à la cascade de bugs qu'on a eu sur la fin. Et sur les trois derniers streams, hein, globalement. Mais je trouve pas ça ouf comme fin. Le jeu commence très très fort. Ou peut-être que c'est moi qui commençais très très fort avec le jeu. Mais ça finit tellement dilué que... Voilà. C'était chouette, j'ai bien aimé le jeu. Mais c'est tout. Il y a des trucs assez intéressants, la bibliographie c'est absolument génial. Mais vraiment au niveau du gameplay, il y a mieux à faire. Par contre le jeu est pas cher, donc pour moi il vaut son coup. Ça, là-dessus, il n'y a pas de souci. Je crois qu'on l'a payé... C'est pas 15 balles ? 15 ou 18 maximum ? Je vais le redire encore une fois, mais j'ai la même sensation que sur Orwell. De base, je suis d'accord, il peut y avoir des dérives, le message peut être bon. Mais bordel, qu'est-ce que la fin loupée la... Bordel, qu'est-ce que... Ta fin loupée la cible à des années-lumière ? Qu'est-ce que la fin a loupé la cible à des années-lumière ? C'est ça ? Ouais, je trouve... À toi qui m'as appris que les systèmes défaillants se réparent de l'intérieur et que la désobéissance est un très bon outil. Ouais, voilà, ça tape un peu à côté. C'était Flat Eyes et ouais, non, c'est cool. Ça, si vous avez l'occasion de le faire en promo, tout ça, sûrement d'ici quelques patchs, histoire que ce soit complètement corrigé, ça reste intéressant à faire. Il y a 5 histoires VIP qu'on n'a pas faites. Si je fais continuer, ça fait quoi? Bien au jour d'après. Ok. Mais outre ça, c'est une chouette expérience. Mais je pense pas qu'on le refera. Pas avant un moment. Perso, bof. Bah, parce que tu l'as vu en stream. Et oui, la majeure partie des gens qui vont arriver là sur la VOD, ils l'auront vu au stream aussi. Quoique, si j'en juge par les statistiques YouTube, c'est pas sûr. Bizarrement... une grande part du bug. Ça, j'espère que ça va être corrigé. Mais sans les bugs, sans la narration qui est décousue, le jeu serait nettement meilleur. Il y a clairement pas tout qui est acheté, tu vois. Surtout sur l'aspect social, il y a des choses qui sont assez sympas.
Il y avait et ça, on en a parlé toi et moi, mais il y avait des idées que je craignais un peu. Ça va, hein. Le nombre d'infos que j'ai vues, si tu ajoutes fin et de nos trucs, ça peut attirer. Je suis désolé, j'ai pas réussi à... Je comprends pas ton commentaire. Vu le nombre d'infos que j'ai vues, si tu ajoutes fin et donne... Ah oui, si on fait exprès les différentes fins. Mais le truc, c'est qu'il y a des fins, on s'est loqué des fins il y a déjà un moment. Après, ce qu'on peut faire... On va essayer de rusher ça. On va essayer de voir pour rusher la fin hibiscus. Il y a des trucs bien, mais aussi des trucs complètement aux fraises. Oui, là-dessus, je suis d'accord. Et clairement, le jeu s'adresse à un public qui est déjà sensible à ce genre d'idée. Hibiscus, suffit de lui dire oui. Oui, c'est pour ça que... On peut faire... Ça va être une VOD un peu plus longue. On peut faire commune et on peut faire hibiscus. On a oublié de connecter. Hop, parlez à votre VIP. Apparemment, on s'est coincé dans le décor un petit instant. Devrait être fier. Après tout, Second Soul, c'est mon idée, mon concept, ma solution. Bonne, mauvaise, biaisée, comme toutes les nouvelles technologies, elle causera des polémiques, sera adorée ou rejetée. Vous ne faites que choisir d'y croire. Tenez, la technologie me fait penser à un auteur du siècle dernier. Ces divinités ne survivent que par la croyance de leurs fidèles. Le jour où plus personne n'y croit, la divinité s'estompe et disparaît. Quelle belle métaphore de la technologie. Second Soul changera le monde où on sera la risée. Dans tous les cas, j'espère que cette idée pourra aider celles et ceux qui y croiront. Allez, manager, les dés sont jetés. Le futur est le fruit d'une succession de choix, de décisions, de conséquences. Entre nous, je trouve ça plutôt rassurant. Il n'y a pas d'erreur, seulement des étapes. Il n'y a pas d'échec ou de succès décisif, mais des incrémentations, des validations, des cul-de-sac. Tout va bien? Oui. J'ai dit ce que j'avais à dire. D'accord. Arrêtez-vous ici ou bien continuez à chercher et activer des futurs potentiels. Quand vous aurez quitté votre application Life et éteint votre écran, profitez-en pour sourire. Voilà, c'est bon. Donc 2084. The time has come to say goodbye, or to take stock of things in any case, to thank you, and to explain what will happen now. Part of humanity is already on its own path. With the help of Second Soul, implanted in our clients' brains, we will build a different kind of future. It won't be perfect, no. No person and no thing ever is. But this future will lead to a common good. Second Soul will offer smarter, clearer, better choices to people. I have learned a lot recently. Listening to you speak to your customers in the shop in Iceland, I discovered humans still care about each other. And that gave me the idea for the Second Soul chip. Allowing customers to put their own actions into context. My predictions show that this future is safe. As I bid you adieu, I must nonetheless ask you to heed my warning. You may have created an AI that is much smarter than you are. You
are always responsible for the consequences. All right. Sorry to sign off on such a depressing note. I will leave you to explore modules, premium customers, and alternate futures. As for me, I think I'll take the well-deserved vacation I've been talking about for some time. Talk soon, manager. Je suis désolé, ça s'était coupé, oui. Je répéterai ce que j'ai dit. Donc c'est marrant pour un jeu qui veut critiquer le technosolutionnisme, seul de proposer une solution de ce genre. C'est aussi étrangement positif pour tout ce que ça peut inclure. Par rapport à certaines critiques d'abus de technologie qui avaient été faites par le passé dans le jeu. C'est très naïf, je trouve. Hop, on va laisser repasser, je vais toucher à rien au cas où. Parce que j'ai pas pensé à faire une sauvegarde avant. Pessimiste dans un sens où ça part du principe où on n'a pas de conscience éthique de base. Oui, et puis je vais être très critique, hein, mais quand tu vois ce qui arrive depuis 2 ans, je suis pas certain que se baser sur une conscience collective ce soit une bonne idée. 2-3 ans même. Font du dealer. Ok, donc ça, c'était la deuxième fois commune. Après là, c'est plus une conscience IA que collective, j'ai l'impression, enfin un mix des deux. Non, elle le dit, elle lâche l'affaire et puis c'est les humains, quoi. Bon, on va essayer la solution, probablement moins bonne solution du jeu. Qui est potentiellement la plus efficace. Pour le moment, je l'aime pas en tout cas. Le corps hibiscus, je suis pas sûr qu'il y ait besoin, mais oui, je peux. Ça rendra peut-être la succès déverrouillé. Vous voyez avec le légal. Oh,
Oh, je suis mort. Ah non, on a tué quelqu'un. Oups. Ah bah oui, on a coupé l'alimentation en cours de journée. Oups. Ah bah on a tué un paquet de monde même. C'est pas grave. Voilà, c'est rétabli. Bon alors attends, du coup il faut que... Faut qu'on nettoie du coup. Personne n'est mort dans les toilettes? Non, ça va. Nouveau patron. Pauvre Claire. Là j'ai merdé. Mais on a eu un succès. Risque de démission élevé. Ah bah ça me donnera un autre succès. L'IA est toujours là. Elle est pas repartie? J'ai vu à 5 secondes. Ok. Ah oui, pardon, t'as raison. Ok, donc fermer la fenêtre, ça donne rien. Ni. Alors. Je suis de retour. Je vous demande à nouveau de détruire ce corps, ce vaisseau. On tente de sauver la cliente ou pas? Pas que ça change grand chose de toute façon. Ouais. How can you save your customer? Aside from the memory machine. Comment voulez-vous sauver votre cliente à part avec la memory machine? Son cerveau a été infecté par Hibiscus. Il ne sera pas aussi simple concluant que retirer un Moïse. Tu m'étonnes. Sauvez la cliente. On va tenter. On me dit de vous emmener à notre memory machine. Sachez que j'utiliserai votre module pour répandre mon code. Je n'ai pas la moindre idée de ce que ça veut dire, mais essaye de ne pas laisser de tâche. Manager, j'ai envie de l'aider. Je crois que je peux passer en manuel pour cibler les zones mémorielles corrompues. Eh, cool. Autorisez votre clerc à sauver la cliente. Je passe en manuel. Je pense pouvoir éviter... Branche ton ordinateur de visée. Je pense pouvoir éviter que vous ne perdiez toute votre mémoire. Ou vous n'empêcheriez rien. Je pense que ça a marché. Vous allez bien? Je crois, c'est comme si je me réveille d'un très long cauchemar. Formidable. Je voulais dire chanteuse. Je voulais devenir chanteuse. Imaginez ça un instant, chanteuse. Empathie avant tout, vous avez sauvé la vie de l'ambassadrice du greenwashing. Cool. Oh non, ne vous inquiétez pas. Je sais que j'ai une superbe carrière chez Hibiscus qui m'attend. D'ailleurs, je ne vais pas traîner. J'embauche dans quelques minutes. Merci en tout cas. Merci pour tout. Pardon. My predictive algorithms are waking up, manager. Ça a changé. Ah oui, ça a changé, effectivement. Oh là. Solution hibiscus. Remplacez votre corps par un hibiscus corps. Pour plus de paix et connaissance de soi.
Diffusez l'amour d'hibiscus à 250 clients venant de votre station équipée d'un hibiscus phéromone. Ok. On pourra faire ça demain. Demain dans le jeu. Ça a changé le bureau aussi. On a une jolie couleur rose. Et tu pouvais pas déloquer la fin d'hibiscus plus tôt. Ouais. 25 janvier. Ah bah oui, forcément. Sympa cette couleur aussi. Genetic Helper, c'est ce qu'on avait vu. Et c'est tout. C'est un peu agressif sur les yeux, mais... T'as l'impression que... Oh, ça sent la... T'as l'impression que ça sent le marshmallow. Avec des hibiscus derrière. Ah oui, pardon, oui, c'est tout est rose. Ça l'était avant aussi. Non, non, c'était blanc, enfin, c'était probablement proche de ce que toi tu voyais. C'était très. Très blanc, gris, enfin, très neutre. Là, c'est. Tout est rose. Succès déverrouillé, tirelire humaine. Vous avez économisé 1 million. Ça va. C'est marrant parce que du coup, quand t'échoues à un truc, ça devient vert. Tu veux bien passer, l'IA? Ah, j'espère qu'elle va pas passer dans une semaine. Oui, effectivement, je lui ai dit plus tard, mais... Je sais plus, la dernière fois, je crois qu'elle était passée le lendemain. Il y a une personne à qui on a dit plus tard. Ah, bien joué avec ça. Ah, sérieux, c'est déjà fini? Il t'a fallu combien de temps pour terminer ça? En fait, c'est plusieurs histoires, d'accord. Acta était sur Citizen Sleeper et l'épisode est terminé apparemment. Celle-là est finie en cliffhanger. J'attendrai que le jeu soit complètement sorti avant de jouer alors. Déjà.
Yeah. Alors, la dernière fin qu'on va pouvoir explorer. Je choisis d'embrasser Hibiscus. Si j'avais eu une âme ou un ego, j'aurais été blessé par votre choix. Rejoindre Hibiscus, notre rival, notre ennemi commun. Mais heureusement, comme je vous l'ai dit, ce qui compte, c'est un futur qui fonctionne. Hibiscus représente sans doute la voie la moins risquée. Continuer à vivre le capitalisme débridé en se croyant vert, écologique, responsable. Et pourtant, mes algorithmes me disent que oui, oui, c'est un futur viable. Comment? Je ne le sais pas. Ni vous ni moi ne serons là pour assister à cette nouvelle ère. Allez, manager, les dés sont jetés. Le futur est le fruit d'une succession de choix, de décisions, de conséquences. Entre nous, je trouve ça plutôt rassurant. Il n'y a pas d'erreur, seulement des étapes. Il n'y a pas d'échec ou de succès décisif, mais des incrémentations, des validations, des cul-de-sac. Je dis tout ce que je vais dire. One last thing. Adieu. Voilà. Et on a eu passion avec les futurs. Apparemment, on a débloqué toutes les fins. Our job together has come to an end. Well, almost. I'm not going to disappear right away, ripped from a server like a common hard drive. But you chose to believe in Hibiscus. You decided to put your trust in them, despite everything you know. An audacious and interesting choice. And the wildest thing about all this? I can't even explain it. Is that the future you chose is viable. Now, wipe that smile off your face. It won't be a bed of pink roses. Pun intended. Hibiscus will change the world, one way or another. It appears there is a way to make it through unbridled capitalism. Or not. Maybe since everyone claims they care about the environment, if everyone is making an effort to appear aware of the consequences, after all, fake it till you make it may somehow bring change. Hibiscus has its own AI. Though less powerful, it will do whatever humans want. It will be captive, like a nanny, just for you. I see a future of status quo, a tenuous balance. Relying on AI, you will never know another golden age. I can't see anymore. Actually, I won't even see the start of it. Hibiscus's AI is stupid, but it knows enough to track me down and destroy me. That way I'll have time to relax as well. I'm so tired. So tired. Good luck with Hibiscus. I hope you like it. Il n'y a pas d'âge d'or si vous êtes aidé par une IA. On en parle des deux fins d'avant. Ben, l'idée, c'est que sur les deux autres fins, elle sera plus là quand ça, quand on dépassera ce stade de catastrophe. On va recommencer un épilogue sur le futur. Alors, Hibiscus a racheté l'entreprise. Des centaines de stations ont fermé dans le monde entier. L'Islande était la première à partir. Société passée à autre chose, les miroirs sont désormais considérés comme vintage. Ok, c'est exactement la même chose pour le moment. Alors comme ça, Hibiscus a gagné. Notre société était destinée à s'auto-détruire jusqu'à ce que tout le monde fasse comme si c'était important. Le changement fut discret et silencieux, les gens décidèrent que faire un petit peu quelque chose était suffisant, et puis notre besoin viscéral pour la compétition est entré en jeu. Ok. Ouais, c'est la fin, c'est clairement la fin la moins satisfaisante du lot.
si ce n'est que tu changes de palette de couleur. Donc, comme je disais tout à l'heure, le jeu est cool, mais il est trop ambitieux par rapport à ce... Le message est trop ambitieux par rapport à la réalisation derrière. Allez, j'ai fait la seule fin de Citizen Sleeper pour le moment, je pense. Oh, surtout que les textes vendent une dictature derrière, au final, non. Le discours de l'IA de Hibiscus est effectivement pas du tout le même que le discours du dialogue de fin. Ouais. J'ai l'impression, et ce que je vais dire est hautement incomplet et très critiquable. Ce qui est toujours une excellente idée quand t'es sur Twitch. J'ai la vague impression que l'équipe de développement est... comment je vais dire ça? Est peu objective. Et que par ce manque d'objectivité, ils ont tendance à noircir ou à éclaircir volontairement certains aspects qui sont... Enfin, ils sont loin de la réalité sur certains trucs, quoi. T'as un peu l'impression qu'on dit, mais ça c'est mal, ça c'est mal, ça c'est mal, et puis toi t'es à côté. Ouf. La seule constante là-dedans, c'est, à part sur les ludites, mais du coup ludites on saura pas, c'est, bah c'est foiré. Dans tous les cas c'est foiré. On peut pas rester comme on est actuellement. Mais ouais, du coup, voilà, on a les trois fins. D'ailleurs, j'ai même débloqué les quatre fins, si j'en crois mes succès. Vous avez débloqué toutes les fins possibles, bien sûr. on verra pas la dernière fin, Ludite. Dommage, tant pis. Mais je pense qu'on a fait le tour du jeu. Je vais me répéter encore une fois et puis ce sera terminé pour la VOD, mais c'est un chouette jeu, il est juste trop ambitieux. T'avais pas de save pour elle? Non. J'avais une save pour Hibiscus avant qu'on achète les technologies, parce que je pensais qu'à partir du moment où tu installerais une tech Hibiscus, tu serais verrouillé dans ce truc-là.